Après une saison brillante en N1, où les victoires se sont enchaînées, l'équipe de hand de Bergerac évolue cette année en D2F, la deuxième division du hand féminin français. L'effectif a été largement remanié, avec beaucoup de nouvelles, 6 joueuses en contrat pro et un programme d'entraînement qui a doublé par rapport à l'année dernière. Il y a vraiment un palier qui est passé à ce niveau-là, comparé à la N1 où voilà, on a 4 entraînements on va dire, par semaine, peut-être un muscu, et on va dire que la meilleure équipe du championnat elle va être au-dessus et puis c'est tout. Alors que là, chaque match va être accroché et il suffit de 3 minutes pour renverser un match. C'est exactement ce qu'il s'est passé lors de cette rencontre. Leur adversaire, le Pouzin, bourgade ardéchoise, semblait à leur portée avec 3 défaites en 3 matchs de championnat. Mais soutenues par les encouragements d'un entraîneur très présent sur le bord du terrain, les joueuses du Pouzin se sont montrées très accrocheuses. Et leur gardienne a réussi à mettre en échec les tirs des Périgourdines. À la mi-temps, le score est de 12 à 14, c'est le Pouzin qui mène. On s'est précipité sur certaines situations, notamment dans le grand espace, quand le Pouzin jouait à 7 sans gardienne, on a perdu beaucoup de ballons à vouloir marquer directement. Les Périgourdines vont se reprendre au retour des vestiaires, mais elles ne parviendront jamais à creuser l'écart. Au maximum, elles compteront 2 buts d'avance, malgré les nombreux arrêts, 22 de Lisa Street, la gardienne bergeracoise. On n'a pas été au niveau auquel on aurait pu être, donc on les a laissés espérer, et voilà, le score parle lui-même, égalité. Score final 24 partout, de quoi nourrir des regrets. Les handballeuses de Bergerac devront être plus efficaces et plus réfléchies dans la suite de la saison pour espérer se maintenir dans cette deuxième division.